les cheveux, ça va pas du tout. Bon, ben faites pas attention à mes cheveux. Hein. Hello! Donc, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Angel Wings Makeup. Alors, me demandez pas d'où j'ai pondu ça. Ça m'est venu comme ça d'ailleurs, j'ai même sorti les boucles d'oreilles. Alors, si cette oreille est rouge, c'est tout à fait normal, je viens juste de me défoncer l'oreille et essayer de la remettre. Ça fait genre 2 ans que j'ai pas mis de boucles d'oreilles. Non, un peu moins parce que j'en avais dans. Il y a quelques vidéos en arrière. Mais bon, le trou se rebouche ici à chaque fois, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai sorti mes boucles d'oreilles Aides d'Ange. Elles sont trop belles, elles sont très lourdes, mais elles sont trop belles. Elles viennent de chez Banggood, mais ça fait très longtemps que je les ai. Si j'arrive à vous retrouver une paire similaire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, comment m'est venue cette idée? Ben, j'en sais foutre rien. Ça m'est venu comme ça, une nuit d'insomnie, pas moyen de dormir, et j'ai eu ce flash de ce make-up Aides d'Ange. Maintenant, le tout, c'est de savoir reproduire ce que j'ai eu dans la tête sur mes yeux. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Donc, bon, je me suis dit, de toute façon, on va tester. Je vous avais fait choisir sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça s'affiche juste ici et vous avez le lien en barre d'infos parce que j'essaye de très souvent vous demander dans quel ordre vous préférez les vidéos ou quelle vidéo vous préférez et tout ça. Voilà, puisque c'est notre chaîne à tous. À toutes et à tous, bien que je crois qu'il n'y ait plus beaucoup de garçons qui me suivent, mais bref. Et voilà, j'aime bien vous demander ce que vous voulez. Donc là, je pouvais pas vous dire trop ce qu'il en était pour le choix des deux vidéos, pour pas vous dévoiler ce qu'il en était des vidéos. Donc du coup, je vous avais mis un petit ange et un petit lézard. Vous avez choisi le petit ange, donc on se retrouve avec ce make-up. Alors, je suis désolée pour la luminosité. J'ai commencé à me maquiller, à faire mon teint et tout ça. D'ailleurs, tous les produits seront listés en barre d'infos. Il y avait du soleil. Et là, il pleut comme vache qui pisse. Vive le printemps. J'ai déjà appliqué ma base. Donc là, j'ai mis la P. Louise. Puisque je l'ai maintenant, hein, donc autant que j'utilise. Donc, je vais enlever la petite ligne caca. Donc, j'ai préparé plusieurs palettes dans les tons bleus, hein, puisque, enfin, vous allez voir. Donc, j'ai pris la Sleek, la Eye Candy. Je l'ai pris pour 2 fards, notamment le bleu juste ici et le blanc juste ici. J'ai pris la Deep Dive. Donc, ça, je vous ai fait les swatchs et un make-up. Je vous remets juste ici. Je ne sais plus pour quelle teinte. si, cette teinte bleue ici et la bleue foncée ici. Et bien sûr, j'ai sorti la Marvelous Pat. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude puisque je la sors dans chaque vidéo. Donc voilà. Voilà, 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 voilà. Donc on va commencer The Three parce que ça fait déjà 2 heures que je parle. Hein. Je vais prendre un pinceau. Un pinceau. Un pinceau. Ouais, je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc je prends la Deep Dive et cette teinte bleue juste ici. Que je crois que je n'ai pas utilisé dans mon autre make-up. Et je vais le mettre ici, en transition, dans mon coin externe. D'ailleurs, je vais revenir... En fait, je ne sais pas encore comment je vais faire l'extérieur. Hein. Si, je vais faire comme ça. Donc, j'en mets sur tout mon coin externe, en fait. J'en profite déjà pour en appliquer sur mon raté. Donc, cette fois-ci, j'ai mis de la base P-Louise. Je vous ai fait le crash test, je vous remets la vidéo juste ici. De cette base et comme je disais dans la vidéo là, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de... Alors on entend mon fils parler en haut. Mon fils parle en haut, mon mari est en train de repeindre en bas avec la musique à fond. Chouette, chouette. Donc je disais oui, ça faisait un bout de temps que j'avais pas mis de base en ratine inférieure. En fait, quand je me maquille, je sais pas pourquoi, puisque je le faisais toujours avant, je sais pas pourquoi je ne le faisais plus récemment. Donc ben là j'en ai rien. Voilà. Alors je vais passer tout le travail d'espoir. Ton page, d'ailleurs j'aurais pu vous rapprocher quand même, non? C'est un peu mieux.
qui est un petit peu mieux. Donc je prends la palette de chez Sleek, la Icondi. Je prends ce petit fard bleu là, juste ici, avec un pinceau boule de chez Primark. Et je le mets ici dans le reste. Dans le reste. Moi d'ailleurs, je vais me servir de cette couleur là pour accentuer mon dégradé. Alors vous remarquerez qu'en ce moment j'ai une obsession pour le bleu. Je sais pas pourquoi. A mon avis, c'est à cause de la Blue Blood que j'ai longuement hésité à m'offrir. Et finalement, j'ai pris la Desert Dusk de Huda Beauty, donc rien à voir. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus compliquée. Je vais prendre le Cut Crease Canvas de Makeup Revolution en teinte Halo, donc c'est le blanc. Et je vais faire un cut crease. Et ici, enfin faire une forme d'aile d'ange, en fait, enfin essayer. Donc, je vais y aller directement au pinceau. Voilà, et pour le reste, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis quand même. Peut-être encore même un peu plus précis d'ailleurs. Alors, est-ce que pour l'instant, ça ressemble à une aile ? On va dire que oui. Voilà, maintenant le temps que celui-là sèche, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté quand même. Hein. Alors, voilà ce qu'on en est rendu. C'est pas exactement la même chose, mais après avec les petites fioritures, ça devrait passer. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si je fais entièrement avec le blanc nacré ou si je mets du mat aussi. Je vais peut-être mettre du mat à l'extérieur ou l'inverse, mettre du mat au milieu et du grisé au centre de la paupière. Donc c'est pas tout à fait sec, donc c'est parfait. Je vais prendre pour le mat un petit pinceau comme ceci. J'en ai pas un autre plutôt. Je vais plutôt essayer avec un petit pinceau boule comme ça. Un tout petit pinceau crayon. Je prends le blanc de la Marvelous Mat. Non, j'avais dit le mat au milieu, non? Oui. Donc je prends un autre pinceau. Il file encore. Donc je prends le blanc Sleek, tant pis. Je mets de l'irisé sur toute la paupière, mais le blanc mat, ben, il ne prélève pas assez de matière. Que du coup ça ne scelle pas la base, donc c'est un peu chiant. Alors pour la pointe, je vais quand même prendre un petit précision. Donc du coup je vais redélimiter toute la forme avec un liner blanc. Donc c'est le Pigment Pro, c'est ça, hein, Pigment Pommade de la gamme Révolution Pro en teinte Paper White que j'ai liquéfié avec le mixing liquide. Donc ça, je vous ai fait une revue complète sur ce produit, je vous le mets juste ici. C'est pas fini. Hein. Je vais prendre ce petit meilleur pailleté de chez iHearth Revolution en teinte du Unicorn. Donc c'est avec des reflets bleus. Je vais prendre un petit pinceau parce que avec l'embout en caoutchouc, c'est une pointe en silicone comme ça. C'est pas top top. Ça déplace la matière, donc je vais essayer avec un pinceau. Donc je prends un chez Wet Techniques. Je prélève sur le pinceau. Il n'y a pas beaucoup de produit qui vient en fait. Hein. Et je tapote ici au centre de la paupière. Ouais, ça fait des jolis reflets et au moins ça déplace pas le fard au pinceau. Par contre, ça me pique toujours les yeux. Je vais en mettre aussi un petit peu dans les extrémités de mon nail. Celle-ci est quand même vachement mieux faite. Hein, voilà. Alors, ensuite, j'ai prélevé un petit peu de ce fard-là de la Marvelous Matte que je vais liquéfier avec ce produit pour faire un liner bleu ciel. Donc, je vous reviens quand le liner est terminé.
Donc j'espère que j'en aurai fait assez, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire un trait de liner bleu comme ça, et je vais aussi définir un peu ici mon œil et faire un petit trait ici, je pense. Donc le produit a vachement foncé avec, avec ça, mais je crois qu'en séchant il va se remettre un peu à la bonne couleur. Voilà ce que ça donne, c'est pas trop mal. J'aime bien. Bon, il faut que je refasse du liner, donc je vais faire l'autre liner en hors caméra. Et je reviens après parce qu'on va rajouter quand même des paillettes, des strass et tout ça, tout ça. Et voilà. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc on va passer aux paillettes et aux strass et tout ça, tout ça. Il faut que je trouve ma pince à épiler. Je crois que je ne suis pas sûre que ça tienne avec ma pince à épiler. Alors, on va commencer par les paillettes. Je vais prendre un petit pot pour les mettre dedans. Alors, je vais mélanger celle que j'ai achetée récemment chez Action. Donc, vous avez eu le haul jeudi. Je vous remets ici si j'ai assez de place. Donc, en fait, je viens de voir qu'il y a des petits trous dans le couvercle pour faire un petit tamis. Ça ne m'intéresse pas particulièrement, sinon j'en fous de partout. Donc j'en ai trop mis, bien sûr. Donc je mélange un petit peu de celle-ci avec, je prends ici, c'est un spleen comme ça de chez Claire, ça fait très longtemps que je l'ai, et je prends les premières paillettes qui sont mes préférées, ça se voit, c'est les seules qui ont diminué vraiment. Et je vais mélanger un petit peu de celle-là avec, ou un petit peu, beaucoup. Donc là ce que ça donne pour les paillettes, elles sont très dorées. Je vais reprendre mon petit pinceau précision ici que j'ai juste essuyé un tout petit chouïa. Je prends ma colle à paillettes, donc pour l'instant j'utilise toujours celle de chez Francover parce que j'en ai encore. Et je vais mettre de la colle à paillettes là où je mets des paillettes. Donc on va commencer par, je vais peut-être enlever l'excédent, ici. Un petit peu en coin interne. Ici, et alors au doigt, avec un doigt propre c'est mieux, je vais en appliquer un petit peu ici sur ma pommette. Voilà, on fera l'autre œil après, hein, sinon ça va être la catastrophe. Donc je prélève des paillettes et j'en mets partout où j'ai mis la colle. Et c'est vraiment super joli ensemble. J'adore. Alors avec un pinceau un peu plus fluffetch, si j'en trouve un, je vais prendre d'ailleurs mon pinceau éventail. Donc je passe dans ce qui me reste de colle pour accrocher les paillettes. Et là, je les dépose ici. Ouh, joli. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez bien parce qu'elles sont tellement belles. Donc avant de passer au strass, je vais bien sûr faire pareil sur l'autre œil. Imaginez, quand on travaille avec des paillettes, c'est qu'on en a absolument partout après. Par contre, j'ai oublié de mettre du crayon. Alors, je vais déjà mettre du crayon noir en queue supérieure. Et est-ce que j'en mets un inférieur aussi ou pas? Je vais essayer avec le reste de mon petit liner que j'ai fait. Je vais essayer de mettre en muqueuse. Je risque de foirer tout mon make-up d'un coup là. Puisque c'est censé être waterproof. Pour l'instant ça va. Dans 5 minutes je pleure à mort. Et j'ai quand même donné un petit coup avec celui de chez Action. Mistress. Donc je prends ma colle à fossiles, des petites gemstones que j'avais eu aussi chez Action. Et des petites paillettes étoiles comme ça. Ouais, je vais mettre un carré blanc et un carré bleu. Ou peut-être deux de chaque, enfin deux bleus et un blanc de chaque côté.
et après je rajouterai des petites étoiles blanches. Ouais, non, je crois qu'un de plus ça fera trop. Hein. Bon, après on est déjà dans l'exagération totale. Hein. Voilà, voilà. J'adore. Je suis trop fière de moi. Mais quoi? J'ai le droit d'être fière de moi. Je vais mettre celui-ci de chez Guerin. Enfin, c'est la teinte 11 de cette gamme de la petite robe noire. Et voilà. J'ai pas mis de mascara. Et donc voilà ce qui conclut ce make-up Angel Wings. Donc clairement ce côté-ci est largement mieux réussi que celui-ci. Après c'est normal, c'est de mon côté droit, j'ai toujours plus facile, je sais pas pourquoi. En plus j'ai pas les paupières exactement de la même largeur, donc j'ai un peu de mal à des fois à accorder la longueur de mon make-up. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également, si vous voulez vraiment me faire plaisir, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et voilà, maintenant je sais pas si je ferai l'opposé en make-up, c'est-à-dire un, je sais pas, un plus axé sur le diable, les cornes, la fourche, je sais pas. J'avais vraiment celui-là en tête et j'avais envie de le faire. Et je dois avouer que je suis auto-satisfaite, voilà, je suis très cotote de ce make-up. Surtout ce qu'il a, voilà, si, quand je regarde comme ça, j'ai waouh, je suis très fière de moi. Voilà, moi je peux le dire, après tout, on est toujours fier quand on réussit quelque chose qu'on avait envie de faire. Et j'ai déjà perdu une petite étoile, deux même. J'ai toutes mes petites étoiles qui se cassent la gueule. Voilà, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, si ça ne vous dérange pas de prendre un petit peu de temps pour m'aider financièrement, acheter les produits, soit des concours, soit des futures vidéos, le lien est au type et donc en barre d'infos. Et bah donc moi je vous dis à mardi. Ouais, c'est ça. À mardi. Bisous.